aujourd'hui, vous êtes là pour une séance d'atelier d'écriture, mais on ne va pas vous faire travailler. Un caribou, Candide, qui caracole dans les coudriers et les canneberges près de Calgary, croise une cariboute calipige au crin caramel. Pourquoi le caribou? Le caribou, c'est notre totem. Un jour, il est entré dans un texte, il nous a fait rire, et depuis, régulièrement, on écrit des textes où le caribou a parlé. La nouvelle ministre de l'Éducation a décidé de vérifier le niveau de connaissance des élèves dans les lycées. Elle a donc envoyé des inspecteurs dans plusieurs villes de la France. Et tu vois, sur la liste, il y a Terrasson. On a une inspection. Élève l'éveillé. Présent. Vous êtes le meilleur en histoire de France. Alors dites-moi qui est ce bouquier. Je veux tout savoir, depuis sa naissance, sa vie, son histoire, alors racontez. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Bouquet Gabriel, né à Terrasson, consacra sa vie à la poésie. Élu député à la Convention, il fit pour l'école des lois des édits. En fin de mandat, il fut mis à l'index. Son jacobinisme ne lui plaisait plus et il ne put pas présenter ses textes car en fruit d'or, il n'est pas élu. Vous semblez à l'aise, je peux vous mettre 16. On n'est pas des imbéciles, on est même des esprits. Au lycée Saint-Ex, au lycée Saint-Ex, Saint-Exupéry. On n'est pas des imbéciles, on a même beaucoup d'esprit. Au lycée Saint-Ex, Saint-Exupéry. Élève l'endormi. Présent. Vous qui étudiez la géographie, parlez-moi un peu de votre rivière. Donnez-moi sa source, ses crues, son débit et toute son histoire dont vous êtes fier. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Né de l'eau de pluie qui tombe sur les vaches, la Vézère descend jusqu'à la Dordogne. Elle creuse la vallée autant que l'on sache. Depuis 5000 ans, elle coule et elle rogne. C'est elle qui nourrit les Néandertals, puis les Cro-Magnons et tous nos ancêtres. Car à cette époque, ils avaient la dalle lorsque les bisons ne venaient pas paître. Vous en parlez bien, je vous donne 15 sur 20. On n'est pas des imbéciles, on a même beaucoup d'esprit. Au lycée Saint-Ex, au lycée Saint-Ex, Saint-Exupéry. On n'est pas des imbéciles, on a même beaucoup d'esprit. Au lycée Saint-Ex, au lycée Saint-Ex, Saint-Exupéry. Élève Margouilla. Présent. Je vois que vos notes ne sont pas brillantes. Toutefois, j'espère que vous répondrez. Quelle température pour de l'eau bouillante? Dites-moi seulement combien de degrés. Monsieur l'inspecteur, moi je ne sais rien par cœur. Quand on voit des bulles, c'est qu'elle est bouillante. La température, tout le monde s'en fout. Mais si les Celsius vraiment vous tourmentent, je sors mon portable et je vous dirai tout. Je vous dis bravo, mais je vous mets zéro. On n'est pas des imbéciles, on a même beaucoup d'esprit. Au lycée Saint-Ex, au lycée Saint-Ex, Saint-Exupéry. Voilà Marzelle, quand tu mourras, quand le gros mort t'emportera, on donnera ton nom à une rue, toute honte bue. Elle était belle, elle était triste, la petite actrice qui hantait Terrasson. Elle n'avait pas de compagnon. Et elle errait en des maisons près du vieux pont. Le vent bruissait sur la Vézère. Elle était légère, son petit corps en fusion. Elle allait rue Victor Hugo.
traînait pour voir les gens le soir. Dans ses balades, les fleurs apaisaient ses peurs. Les statues des jardins susurraient à son doux visage des vœux d'amour et des jeux sages. Rue du d'avril, place de Guingois, près de rue Margontier, elle rencontra Cyril, jardinier roi de l'imaginaire. Il aimait travailler la terre près de la Vézère. Au lieu de plonger dans les eaux noires, sauter du pont vieux, poussée par désespoir, elle s'enflamma toute la nuit, et ce fut une belle folie, rue de l'Industrie. Elle était belle, elle était celle qu'il avait choisie, cœur tellement épris. À la Marzelle, on les voyait toute la journée se bécoter, rue Bourriquet. Un jour, il lui demanda sa main près de la fontaine parfumée. Elle s'allait laver, et pour toujours ce lierre d'amour glisse un sou, et pour toujours ce lierre d'amour glisse un sou.